Bonjour, je m'occupe de la préparation des étudiants participant à l'opération Les jeunes ont la parole, organisée par le musée de Louvre en partenariat avec différents établissements d'enseignement supérieur. Cette opération offre à nos étudiants l'occasion unique de travailler pendant 6 soirées dans l'un des musées les plus beaux et les plus prestigieux du monde et de devenir pendant quelques heures un acteur à part entière de ce musée. C'est aussi pour eux l'occasion de s'initier à la pratique de la médiation culturelle. Les étudiants bénéficient d'un suivi individuel avec moi pour la partie plus scientifique, on va dire. Ils sont également encadrés par les professeurs de français de l'ILCF qui, avec beaucoup d'enthousiasme, les aident à préparer leur texte à l'oral. Et enfin, ils suivent des formations obligatoires à la pratique de la médiation organisée par le service éducatif du musée du Louvre. Je m'appelle Diane Zina, je suis portugaise et j'étudie le français à l'Institut catholique de Paris. Bonjour, je suis Federico Lema. Ce soir, je suis en train de vous présenter un tableau de Gabriel Destré, les portraits avec sa sœur, et c'est la 12e école de Fontainebleau. Leur motivation tout au long de cette préparation, leur stress légitime à quelques minutes du lancement des soirées et surtout leur fierté, leur joie. Ces soirées restent l'un des moments les plus marquants de leur séjour en France.